destin nous réserve. Peut-être pas été invincible, mais maintenant je suis réellement immortel. Ce combat commence à m'ennuyer. Permettez-moi de le pimenter un peu. Ah, te voilà enfin. Vous allez la voir, votre défi. Nous ne sommes pas une menace, nous sommes le salut. Le monde devra tenir compte de nous. Hurlevent, dernier bastion des humains en Azeroth, s'est imposé comme capitale. C'est ici que se dressent les flèches de la cathédrale de la Lumière. C'est dans ce lieu de culte que se sont exilés les membres du Conseil d'Athéna. Après avoir vérifié la menace de Black Rock, l'agent Pélican s'était réfugié dans cette majestueuse cité. Il avait confiance en la détermination des braves chevaliers partis combattre Nefarian. Néanmoins, au fond de son cœur, il savait que le paladin n'aurait pas la sagesse nécessaire pour réunifier l'ordre aujourd'hui divisé. Un seul homme était parvenu autrefois à rallier toutes les forces de l'ordre. Face à la sordide rupture du pacte entre les orques et les hommes, le prêtre était tombé dans l'incertitude et l'incompréhension la plus totale. À présent, il est venu le temps de rappeler nos guides pour ne former plus qu'un. Rogerai, il est temps pour vous de prendre une décision. Votre exil doit prendre fin immédiatement. Athéna a besoin de vous pour intendant. L'ordre aujourd'hui, divisé, a besoin d'unir ses forces pour remporter la bataille. Mes espoirs sont tournés vers vous. Trois années d'exil depuis que le pacte entre l'Alliance et la Horde s'est rompu. J'étais l'intendant de l'Ordre d'Athéna avant de laisser ma place à Bogdan qui s'est retiré à son tour l'année dernière. Nous avons combattu le fléau jusqu'à la mort. Alors quand les querelles futiles reprirent entre la Horde et l'Alliance, nous avions perdu tout espoir. Mais l'heure est venue de reprendre le flambeau. Les chevaliers semblent prêts à reprendre le vrai combat de notre Ordre qui est morcelé aujourd'hui. Il est temps de ne plus faire qu'un et de mener enfin notre seule vraie croisade. Bienvenue dans mon sanctum personnel, héros. J'espère que les lieux sont à votre convenance. Vous découvrirez nombre de mes expériences ratées, mais aussi mon plus grand triomphe. Pleutre, affrontez la mer des couvées ou subissez-en les conséquences. Ah! Ce frisson glacé qui vous parcourt est l'annonciateur de votre perte. Vous voyez bien que tout cela est futile. Abandonnez, laissez-vous donc mourir. Vos efforts sont vains. Vous aimeriez bien pouvoir vous en débarrasser, pas vrai? Quel dommage! Tu les tous. J'ai tout fait pour être un hôte accommodant. Mais vous ne daignez pas mourir. Oublions les bonnes manières et passons aux choses sérieuses. Vous tuez tous. Oh, une interruption! Il ne faut pas faire attendre le maître! Le bas est soulevé encore! Assistez-moi! Pour Kasmodan!
prochain! Ils sont en train de nous en envoyer plein la patate. Faut pas se laisser submerger. Allez, reformons les rangs. Ah ah, c'est parti! Oh non, c'est toujours pour ma poire. Allons bon, encore des dragons. Mieux vaut attendre les autres. Bien, bien, bien. Enfin au cœur de l'action. Nous allons pouvoir nous débarrasser de ce fléau pestiféré. Allez, en avant! Tiens, confin! Et puis ça aussi! Mais tu vas mourir, oui? Hé, mais bon! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ici? Non, d'un marteau en titane. Mais c'est pas possible. Je crois bien que c'est... Allez, Bragat, ouvre ça tout de suite. Trop facile, c'est l'affaire de quelques secondes. Eh bah, c'est long 2 secondes chez les Wargames. Oh, ça va, ouais? Allez, on peut y aller. Elle est gravement blessée. Regardez qui est là, on dirait notre princesse. Mais elle est pas censée être morte. Morphine, peux-tu la soigner avec ta lumière? Elle respire encore, alors... Je vais donner mon maximum, Bragan. Ce puits de lumière devrait l'aider à se réveiller. Je suis encore en vie. Quel soulagement. Merci, chevalier. Vous ne pouvez imaginer ma joie. Je suis enfermée ici depuis tant d'années. Je vous dois la vie. Je ne saurais comment vous remercier. Il me semble vous connaître, jeune nain. Enfin, nous n'avons pas de temps à perdre. Si vous combattez le fléau, accompagnez-moi jusqu'au démon qui se cache ici. Je vous en conjure. Balnazar a un sombre plan afin de détruire les derniers chevaliers de mon ordre. Je ne peux le laisser faire. Oh là là, elle me trouve jeune. En voilà une qui a l'œil, tiens. Puis-je compter sur vous? Vous devez pas vous souvenir, princesse. Ça fait un bail, hein. Mais nous sommes vos serviteurs. Enfin bref, on en parlera plus tard. On n'a pas vraiment le temps de raconter sa vie quand on se bat, vous voyez. Alors, allons-y. Attendez. Alaric a laissé ici les affaires de ma mère. Il ne devait pas se douter que vous me trouveriez. Incroyable. Tout est là, intact. Comme si ses habits bénis étaient immaculés. Permettez-moi un instant que je puisse endosser cette robe. J'ai l'impression de revoir notre Athéna. Mes amis, ne traînons pas. Il nous reste une dernière tâche à accomplir. Par les chaussettes de Magni, je suis tellement motivé à bloquer la clé pour les vont dérouiller. Ménage-toi, Bragan. Je ne voudrais pas que mon bikin se blesse. Ah, cette draine, il me fait vraiment frémir. Oh, c'est fini de flirter, vous deux? Thank you.
la 4, ouvre. Bon, t'arrêtes ou je te croque. T'es toujours aussi susceptible, hein. Dépêche-toi, tu les touches. Quelle aubaine! En voilà un qu'on n'aura pas à combattre. Ils l'ont laissé dans sa cage, celui-là. Ah, nos héros sont arrivés pour notre glorieux final. J'imagine que vous êtes de bonne humeur, prêts pour la dernière bataille. Maloriac, essaie de ne pas perdre face à ces mortels. Il n'y en aura jamais d'autre comme moi. Enfin quelqu'un pour me débarrasser de cet affreux nuisible. Je vous remercie, héros. Maloriac, je savais que je n'aurais pas dû compter sur une chose avec un nom si ridicule pour m'amuser longtemps. Félicitations. Permettez-moi de vous décerner un titre pour le mythique haut fait que vous venez d'accomplir. À partir d'aujourd'hui, vous serez connus comme les tueurs de serviteurs stupides, incapables et décevants. Que la chair se transforme en cendre. J'espère que vous savez nager dans la lave en fusion. C'est fini, Nefaria. Ce trône ne sera bientôt plus le tien. Ah! Vous devez être vraiment déterminé. Soyez maudit, mortel. Un tel mépris pour les possessions d'autrui doit être traité avec une extrême fermeté. Je vous remercie d'être venu, mais il est temps pour vous de mourir. Ce fut un plaisir. Prenez garde. Que les jeux commencent. Halte, on ne passe pas. L'accès à ce lieu est interdit aux étrangers. J'ai fait un long voyage, chevalier. Désolé, monsieur. Je ne vous connais pas. Je vois que tu portes les couleurs d'Athéna. Sache que je suis Rodiraya. Je suis l'ancien intendant de l'or. Et je veux voir le grand archiviste. Votre nom ne m'est pas inconnu. C'est un honneur. Suivez-moi, je vais voir si l'archiviste peut vous recevoir. Excusez ma méfiance. Comprenez-moi, je suis en charge de la sécurité de l'archiviste. Veuillez me suivre, c'est par ici. Attendez-moi ici. Messire Malagan, un homme du nom de Rogeraya souhaite vous rencontrer. Mais ce vieux prêtre est à la retraite. Que dois-je faire? Voyons cela de plus près. Ramène-le-moi. Il va vous recevoir. Veuillez me suivre. Voilà qui est heureux, chevalier. Te voici, Malagan. Impossible, je n'en crois pas mes yeux.
Kojiraya. Êtes-vous de retour dans l'ordre ? Absolument. J'ai besoin de toi, Maliagan. Notre ordre est divisé, c'est inacceptable. Mais voilà ce qu'on va faire. J'ai l'intention de rassembler tous les chevaliers, mais pour ça, j'ai besoin de Bogdan. Je veux que tu le ramènes parmi nous, pour qu'ensemble, nous reformions notre unité. Mais ce nain a pris congé dans la bière. Je connais bien ce vieux nain. Il t'écoutera. Il faut que tu le persuades de revenir auprès de nous. Use de tous les moyens. Explique-lui la nécessité de sa présence et réanime en lui le désir d'apporter la justice. Paladin, endosse ton armure et va. Si je comprends bien, tu me demandes de quitter cette robe. Eh bien, soit. Quel est votre nom, chevalier ? Je suis Irestan, gardien de la cathédrale. Acceptez-vous d'escorter Maliagan dans cette mission ? Ce sera avec honneur. Oui, voilà qui va nous rajeunir. N'oubliez pas, il faut le convaincre à tout prix. Quel bonheur de reporter une armure et de repartir en croisade. Je compte sur vous, mes amis. Nous devons réunir tous les chevaliers et tous les seigneurs. La guerre que mon frère mène en ce moment à Blackrock n'est que le commencement. Et il ne faudrait pas que nous perdions trop d'entre nous alors que la vraie bataille n'a pas encore commencé. Les hommes vont bientôt comprendre que le traître se réveille. Je la sens de plus en plus. Cette mélancolie de notre roi Terenas qui se remémore les espoirs qu'il portait pour son fils. Les vieilles blessures vont bientôt se réouvrir, et l'infamie devra être châtiée pour de bon. De l'Ordéron ont murmuré ton nom. Arthas. Je t'ai vu grandir et devenir une arme au service de la vertu. Souviens-toi, notre lignée a toujours régné avec force et sagesse. Et je sais que tu feras preuve de retenue dans l'exercice de ton grand pouvoir. Belle victoire, mon
justice et de faire battre le cœur de ton peuple. Je te confie cela, car lorsque ma vie s'achèvera, toi, tu seras roi. Les âmes de vos champions morts seront miennes. Roger Raya, il est temps pour vous de prendre une décision. Votre exil doit promettre, tu rigoles. Quel bonheur de repartir en croisade. Ah non, merde, c'est même pas ça la phrase. Mais putain, je me gourre le bras. Je me gourre dans les phrases. On peut y aller, tout simplement, tu sais. Peut y aller. Tadam, la porte est ouverte. Oh mon dieu. Pour la lumière. Pardon. Pour un mec qui va devenir chevalier de la mort, c'est un peu chaud, mais ouais. Pour la lumière tamisée. Trop facile, je vais te... Ah, attends. J'ai glissé, chef. Hein? J'ai glissé, chef. Ouais, c'est ça.